Le prince Harry et Elton John, réunis pour la bonne cause, ils perpétuent l'héritage de Diana. Elton John et le prince Harry ont participé tous les deux à la conférence internationale Aid Amsterdam, aux Pays-Bas, le 24 juillet dernier. Le chanteur légendaire, grand ami de Diana, et le fils de cette dernière, ont ainsi annoncé le lancement d'un nouveau financement international de 1,2 milliard de dollars pour lutter contre la transmission du sida, notamment chez les jeunes hommes. La star et le petit-fils de la reine ont semblé très proches, réunis pour une cause qui était chère à Lady Diana. Le prince Harry marche ainsi dans les pas de sa mère. Cette dernière a beaucoup œuvré pour changer l'image du vieux auprès du public. Elle a notamment serré la main d'une personne touchée par la maladie en 1987, à l'époque où la maladie était stigmatisée. Elle utilisait sa position de femme la plus célèbre du monde pour inciter tout le monde à s'éduquer / à trouver leur compassion / et à tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide au lieu de les repousser, se souvenait le duc de Sussex lors d'un discours en octobre 2017. Il perpétue décidément son héritage.